Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici FP pour BestKicker pour cette troisième partie de l'utilisation d'un tracker et plus particulièrement dans le manager. On va, après avoir vu les filtres dans la vidéo précédente, ici s'intéresser à les rapports et toutes les options du programme ainsi que le HUD. Donc on a vu ici les onglets hein, tournoi hand. Oui, vous les joueurs de cash game m'excuseront, je joue pas le cash game, mais vous voyez que vous avez exactement le même type de choses hein, donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Tout ce que je raconte est reproductible pour l'onglet cash game. Donc on a vu l'onglet hand, on a vu l'onglet pré-flop. Dans la première vidéo, on avait vu l'onglet result. On va s'intéresser maintenant au dernier onglet. Si j'ai pas fait planter mon Hold'em Manager. Ok. Qui s'appelle l'onglet Report. Et qui vous propose toute une série de rapports prédéfinis. Par exemple, le premier ici vous donne, donc toujours avec la possibilité de filtrer, toujours la possibilité de filtrer encore plus en détail. Ce qui s'est passé, enfin certaines stats, pardon, en fonction du niveau de blind. Et vous pouvez voir si vous avez gagné des jetons ou pas par rapport à ça, si c'était correct ou pas, si vous avez perdu plus que vous auriez dû, votre taux BB par 100, votre VPIP, votre préfet presse par rapport à ce niveau de blind, etc. Et donc de base. Votre pourcentage de squeeze, etc. De base, certaines stats sont mises, mais donc elles sont ici en fait. Hein, vous les avez ici, celles qui sont disponibles. Je devrais pouvoir scroller, mais je ne le vois pas. Mais vous pouvez en mettre beaucoup plus en appuyant sur le plus ici vert. Vous voyez, vous avez une infinité, si je puis dire, pléthore de stats en toutes sortes. De toutes sortes, pardon. À vous de voir ce que vous avez besoin. J'imagine qu'on n'utilise pas tout, mais voilà. Vous voulez voir un peu une statistique en particulier, vous la rajoutez, vous l'enlevez, etc. Donc ici, par niveau de blind, un autre rapport va être le rapport général qui reprend toutes vos mains. Par position, la position dans le jeu, cutoff, early, big blind, etc. L'action que vous avez subie pré-flop. Par niveau de blind de nouveau.